Je vais acclamer Jésus. Allez, à vous. Amen. Avec quelqu'un dit que Dieu te bénisse. Je salue dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui Dieu te bénisse. Amen. Qu'est-ce que c'est? Je te contacte là, Jésus. Là où Dieu réside, là où il est. Et nous savons que quand Dieu est quelque part, il se manifeste par des signes, tels que la guérison, tels que la délivrance, la restauration, le pouvoir, tous nos besoins. Parce que l'impossible, le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Dis amen. Impossible n'existe pas. C'est un langage humain. Alors vous êtes à Peniel, tu veux la présence de Dieu. Alors quand tu es dans la présence de Dieu, tu vas obtenir gain de cause. Quelque chose doit se produire dans ta vie. Parce que tu es dans la présence de celui-là à qui tout est possible. Dis amen. À Dieu tout est possible. Tout est possible. Ton miracle est possible. Ta délivrance est possible.
dis amen. Dieu est capable de te délivrer. Amen. Il peut encore détenter la situation de ta vie. Il peut encore. Il peut encore t'enlever dans l'humiliation. Il peut encore te donner raison vis-à-vis de tes attaques. Mais laissez-moi vous dire le principe de la spiritualité. Pour que Dieu fasse quelque chose dans la vie de l'individu, il y a un principe sur lequel Dieu se basera d'abord pour agir. Bien que tu sois dans sa présence, c'est la foi. Dis amen. Le poulet est en train de manger le pain de quelqu'un. Ce qui va vous là, c'est basé. C'est la foi. Bien que vous soyez dans la présence de Dieu, il regarde à ta foi. Exaucer ta prière. Même si nous sommes à Peniel, tout le monde à Peniel, nous sommes venus pour chercher la face de Dieu. On s'est dit avant de quitter la maison, avant de quitter par exemple nos villages, nos familles, nous sommes venus à Peniel pour chercher la face de Dieu. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. Est-ce qu'on a la foi? On a la foi, on ne regarde pas un individu. On se pose plus de questions. On se dit qu'il faut qu'il agisse. Je crois qu'il va agir. Alors je vous explique la foi. Il faut que je vous explique la foi. Amen. Toi me dis que tu as la foi. C'est vrai que tu es là. Il peut y avoir un semblant de foi. Amen. Amen. Oui. Moi, j'ai de la foi. Amen. Mais pourquoi ta foi ne décante pas ton miracle? Mais il est peut-être être balé. La Bible dit, la foi est une faite assurance. Il est un calote. Hébreux, le livre d'Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Quand tu as quitté la maison dans ta famille, j'espère la guérison. C'est pour ça que tu es venu. Tu es malade. Tu sais que ta maladie dont tu souffres, la maladie dont tu souffres n'est pas naturelle peut-être. Et même ici, et tu as installé peut-être quelque part. Ça n'a pas marché. Amen. Il te dit, il faut que je cherche Dieu. Il faut que je me rende à Peniel. Et je suis convaincu de m'amener à Peniel. Dieu fera quelque chose pour moi. En me rendant à Peniel, Dieu fera quelque chose pour moi. Oui, ça c'est la foi. C'est ce que je t'ai dit. Mais la Bible dit que la foi se démontre. Il parle à main. Tu fais m'assurer de ce qu'on espère. Amen. J'espère à la guérison. Il faudrait que cette foi soit ferme. Il t'aime à l'honnête. Amen. Dis quoi? Quel que soit ce que tu vas entendre, quel que soit le temps qui va passer, quel que soit des événements, il ne faudrait pas que ta foi vacille. C'est vrai qu'on a la foi. Mais l'ennemi de la foi, c'est ce qu'on a la foi. La vie est l'ennemi de la foi. Ta foi te dit que tu vas guérir. Et on dit le prophète ne vient pas. Et ça, le livre est fini. Ah oui, le livre est là, on croit que tu vas plus guérir. Ça, c'est une confiance à une personne. Comment est-ce que tu as la foi en Dieu? Parce que Dieu est omniprésent. Dieu, il est là. Amen. Amen. Que le prophète soit absent. Le prophète, Dieu est là. La femme qui avait peur de sang, elle a dit, je n'ai pas besoin de demander une audience à Jésus. Non. Je sais que si je le touche, il sera guéri. Amen. Amen. Je n'ai pas que Jésus, je n'ai pas besoin que Jésus échange avec moi. Je n'ai pas besoin qu'il me pose les mains. Je sais que c'est lui la guérison. Si je le touche, je suis convaincu d'avoir ma guérison. C'est ce qu'elle a fait. Elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Qu'est-ce que ta foi te dit? Et si je viens, Dieu va me guérir. Et quand tu vois que le coin n'est pas chaud, oh non, dès que tu n'es plus absent. Amen. Tu n'es pas une question de temps. Des choses se passent. C'est chaud, c'est pas chaud. Là où invoquer son nom, il est présent. Tu n'es pas venu pour danser. Vous m'avez venu faire le tourisme à Zaroko. Vous venez chercher Dieu le trouver. Mais là-bas, il va. Dès qu'on le cherche, on le trouve. Amen. Amen.
Je suis un être humain. Amen. Je ne suis pas censé constamment être vous. Mais n'a pas de la ville est présent. Amen. Amen. Vous savez que le temps n'existe pas chez Dieu. Mais la gorge d'une donne écho. Ça qui dit 1000 ans. On ose dire. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on espère. Tu vois ma vie. Quand tu crois que Dieu est vivant et puissant, il faut vivre ta foi. Ça veut dire quoi? Il faut banaliser la maladie. Banalise la maladie. Dis-toi, tu es convaincu que Dieu te fera sortir de cette maladie. Le temps. Médecine a dit. Peut-être qu'ils ont dit des choses. Ils ont dit des choses. Tu vas pas guérir peut-être. Pour l'homme, c'est une maladie incurable. On dit que c'est impossible. Mais l'impossibilité n'existe pas. C'est pas un langage humain. Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. C'est qu'il faut croire ton miracle. Il faut croire en lui. Tout dépend de toi. Il a dit à Bartimée. Ta foi t'a sauvé. C'est ta foi qui pourra te sauver. C'est ta foi qui pourra opérer ton miracle. C'est pas l'imposition des mains de quelqu'un. Il faut que ta foi te sauve. Il faut que ta foi te délivre. Amen. Et d'autres pensent qu'il faut avoir une grande foi. Non, Jésus dit. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, mais comme un grain de sable, vous pouvez même déplacer des montagnes. Parce que la montagne, c'est symbole de difficulté, symbole de problème. Si ta foi que tu as est comme même un grain de sable, peut déplacer la montagne qui est dans ta vie. Parce que la maladie qui est là, cette maladie constitue comme une montagne. Celui qui vit constitue comme une montagne. Cette petite foi peut déplacer cette montagne. Vous voyez que tu as confiance en Dieu. Et une foi qui pourra te faire sortir de cette situation. Peu importe même si il y a la douleur. Parce qu'il arrivera un moment où tu as senti des faiblesses. Si tu penses que Dieu t'a lâché parce qu'il y a des faiblesses, tu ne demandes pas ta foi. Amen. Quelle que soit la douleur, quel que soit le temps, dis-toi qu'un jour, Dieu te fera sortir de la gonne. Amen. Parce que le temps n'existe pas chez Dieu. Amen. On dit amen. Amen. Un jour, c'est pas mille ans devant lui. Et mille ans, c'est un jour chez lui. À un moment, il met du temps pour guérir d'autres personnes. Parce que j'ai dit, il faut qu'il construise quelque chose en lui. Parce qu'il y a des gens qui viennent faire guérir puis retournent. Parce qu'au-delà de la guérison, il y a le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Alors Dieu te dit, maintenant il faut que je mette du temps. Comme ça, il va bien me connaître. Il va attendre la guérison de d'autres personnes. Par contre, d'autres personnes, c'est rapide. Non, il ne faut pas comparer ta vie au miracle de l'autre qui vient d'obtenir et toi. Vous pensez que Dieu t'a laissé. Non, Dieu t'a pas lâché. Amen. Continue de vivre ta foi. Et ta foi n'est pas basée sur une personne. Comme l'homme de Dieu n'est pas là. Je ne crois pas que Dieu puisse me dire. La Bible dit que, oh, malheur soit celui qui met sa confiance en la vie. Soit qu'il vous êtes pas peniel. Il veut dire la présence de Dieu. Amen. Il veut dire la présence de Dieu. Il faut que ta foi te sauve.
Amen. Quand Bartimée a commencé à crier, les gens ont voulu l'empêcher. L'empêcher de parler. Ton environnement peut t'empêcher. Ce que tu vois peut t'empêcher d'obtenir ton miracle. Le temps. Je te dis, mais je n'étais pas venu pour deux ou trois jours. Je pensais qu'il allait faire une semaine. Pourquoi j'ai mis assez de temps? Ça peut même t'empêcher d'obtenir ton miracle. Amen. Attends jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi. Amen. Ta foi. Tu es dans le camp de ta foi. Amen. Amen. La foi. N'importe qui croit qu'il a la foi? Alors, n'importe qui. Yo, allez, t'as pas le venu voir. Je suis choqué. Comment tu fais comme les autres? Comme les gens ont levé la main. Tu fais sincère avec moi? Non, non, tu vas la baba. Tu viens d'où? Il y en a tout comme là. Alléluia. Nous levons tous les mains. Et chacun demande un miracle. C'est quoi quoi il y a dans la bonne loi? Il faut dire le bien. Zagou, il n'y a pas la bien encore. On peut être. Je comporte des cas. Je demande un miracle de sa part. Il y a un homme, il faut dire le bien. C'est quand il y a eu hier. Ouvre la bouche, frère. Vivez bien. Car il n'en est pas vivé. Dieu vous laisse vous vivre bien. Pendant que tes mains sont levées, la main de Dieu vient jusqu'à toi. Et le Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te touche. La main de Dieu. Là où tu arrêtais.
La puissance de Jésus. La puissance de mon Dieu te touche. 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 La puissance de Jésus te touche. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Jésus. Jésus te délivre là où tu as été. Mon Dieu te délivre maintenant. Mon Jésus te délivre maintenant. Et soit ta délivrance. Je maudis la présence de la maladie dans vos corps. Je chasse la maladie. Je condamne la maladie. Je commande à la maladie de disparaître de corps. Je commande à la maladie et de partir maintenant. La maladie disparaît. Maladie. Là où tu étais maintenant, là où tu es maintenant, je maudis ta présence. Je te commande de quitter ce corps. Et maintenant même, c'est un ordre. Tu pars. Au nom de Jésus, je maudis la présence de la sorcellerie dans ta vie. Je commande la sorcellerie de lâcher ta vie. Je commande la puissance de la sorcellerie de lâcher ta vie. La puissance de Dieu te délivre. La puissance de Dieu te délivre. La puissance de Dieu te délivre. Maintenant même, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois maintenant ta délivrance. Reçois maintenant ta délivrance. Reçois maintenant ta délivrance. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Mon Dieu te délivre. Mon Dieu te délivre. Mon Dieu te délivre maintenant. Merci pleinement, notre Dieu. Pour se manifester. Bien, pas là, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamer Jésus-Christ. Ouais, que Dieu bénisse. Il y a quand même une surprise. Mais une bien, c'est quand même pas mal. Je suis là. Juste pour vous dire saluer. Oui, n'a qu'à être bon. Nous sommes en fin d'année. Les Zoïbiaka. Et en même temps, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Le dit du Kamanike, tu veux dire Kamanike, tu veux. Dans tous nos programmes. En année, le Bernamé. Ceux qu'on doit rester, qui vont rester, vont rester. On doit dégager du ministère, on va dégager du ministère. Après, on va bien structurer la chose. À point que j'aurai plus le temps pour venir vous rendre visite. Nous sommes en fin d'année. On réfléchit à beaucoup. Les erreurs. Comment faire pour ne plus dire les mêmes choses. C'est à tout ça qu'ils sont de réfléchir. Et en même temps, nous avons une grande veillée le vendredi. C'est le... Tu merci, moi, merci la foule. Le dernier vendredi du mois de novembre, nous allons aborder le mois de décembre.
Faudrait que tout le monde soit présent. Quoi, que ce soit un moment de réveil, de puissance. Amen. Je réfléchis à beaucoup de choses. Comment faire avancer l'œuvre? Ce sont ceux qui peuvent nous aider à faire avancer l'œuvre. Ce sont ceux avec qui on doit marcher. Tout ça, c'est important. C'est tout ça que je réfléchis. Mais pour Google les mamans. Amen. Écoutez, je crois que en 2015, beaucoup de choses vont changer. Voilà, beaucoup de choses changeront. Par la grâce de Dieu. Comptons sur la puissance de Dieu. Nous serons capables de vous aider. Je ne fais pas à la fois ici et là-bas. Amen. Amen. Je suis à Idivo. Ce qui est vrai, c'est que je ne peux pas, je ne marche pas venir ici. Et je ne peux pas venir constamment avec les petites voitures. Si c'est les voitures 400, vous allez me voir constamment. Nous avons ce problème-là. C'est pour ça que, par moment, j'attends que Dieu fasse un miracle. Voilà. Pas parce qu'on a vous a oublié. J'attends, mais l'œuvre de Zaroko, c'était une œuvre qui était beaucoup attaquée. Beaucoup attaquée. Et quand tu es beaucoup attaqué, tu réfléchis à beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à la fois. Ok, il faut améliorer le travail. Pour ne pas donner raison aux ennemis. Mais c'est important de travailler avec ceux qui comprennent. Ceux qui peuvent t'aider. C'est ça mon problème. Je suis entouré des gens bizarres. Je les regarde, ils pensent que je ne les vois pas. Des gens bizarres. Mais beaucoup de choses vont changer. Il y a un remaniement, vous allez voir. Il y a un remaniement, bon remaniement. On va marcher à ceux qui ont l'onction. Là, même si je ne suis pas là qui t'impose la main, tu guéris. J'ai mis de l'ordre là-bas. Je mets de l'ordre ici. Amen. Voilà, aujourd'hui c'est notre jour de repos. Je les ai surpris, hein. Je les ai appelés depuis hier. Quels sont ceux qui jeûnent? Alors moi, que je dis là. C'est mon jour de jeûne. Ok. Que Dieu vous fortifie. Quand je vous vois, j'ai un pincement au cœur. Vous n'êtes pas ici à cause de Crasso. Vous êtes là pour obtenir une guérison. Donc ceux qui sont ici, ils vont se poser des questions. Si vous êtes tout fait une semaine, ils doivent prier pour que vous soyez guéris. C'est des gens qui font des recherches ici. Pas des gens qui vont manger pour tout manger. Vous se penchez sur vos problèmes. Telle personne est venue. Ça fait une semaine. Voilà, il n'y a pas besoin de leur dire. Même si je suis pas là, le fait que tu aies du récit, lui, il doit prendre ton problème comme son problème. Il est dans l'hydrome, je n'ai pas trop ces personnes là-bas, même moi. Donc je réfléchis à beaucoup de choses. J'ai des mangeurs qui mangent. Ceux qui s'amusent. C'est pour ça qu'il y aura remaniement. Je ne suis pas comme peu. Si je cherchais l'argent, je n'allais pas à Zarakouzi. J'allais laisser l'Afrique voyager. Une semaine, deux semaines. Quelqu'un qui est ici va se poser beaucoup de questions. Il doit vous appeler même pour lui. Ton problème là. Il n'est pas besoin que le prophète soit là. On est ensemble, ton problème depuis ça reste à demeure. Il faut que Dieu te guérisse. Quand je vivais ici, c'est pour ça que je disais aux gens. Ne sois pas pour aider les gens crier. On va dire bonjour. Comme c'est une société. C'est pas une société ici. Mais c'est quand même un temps de prière. Mais laissez-moi vous réagir. Quels sont ceux qui aiment l'œuvre? C'est un moment de silence. Parce que quand tu es Dieu appelé,
Il faut à mesure d'aimer les arbres. Nous, c'est Waman. Quelqu'un vient la prière. Il fait une semaine à toi. Non, non, il y a un. On aborde la deuxième semaine. La situation n'a pas changé. Toi qui es là, tu vas prendre comme ton problème. Il n'y a pas de. Si tu ne peux pas comme ton problème, mais il dit combien dans n'a pas appelé à servir Dieu. Et c'est tout ce que nous avons regardé. Nous avons réglé en 2015. Je vais suivre ça de près. Nous voyons les cahiers de registre. S'il a fait une semaine, s'il a pas besoin une semaine, nous tous nous allons nous mettre là pour prier pour nous. C'est un temps de prière. Je n'ai pas assez d'ouvriers. Ce qui concerne moi, il n'y a pas beaucoup. C'est cela que ça me fait beaucoup mal. Ceux qui vont manger pour tout ici là. Il y en a. C'est ça mon problème. Mais grand-maman, ceux qui vont vous regarder, je vais pas prier pour vous là. Je vais vivre avec vous. Il y en a ici. Moi, comme c'est quand vous. Mais beaucoup de choses vont changer. Mais dites du Kamani que tu veux. Parce que quand quelqu'un veut aller loin, quoi, quand on a qu'à promener, il s'améliore. Il marche avec celui qui peut avancer lui. Mais à maman, maman, il y a un mort battre. Je ne vais pas venir m'amuser ici à Zaroko. Et les Zaroko qui veut que. On a des gens des aéroports ici. Et ils jouent le travail. Ceux qui doivent prendre ça au sérieux. Eux d'ici qui doivent prendre le travail au sérieux. Je suis là-bas, j'appelle. Et ils jouent ça. Mais beaucoup de choses vont changer. Je suis caractériel. Moi, quand je dis non, tu n'es plus avec moi. Mais je ne marche pas, c'est lui qui n'aime pas Dieu. Je ne suis pas content parce qu'il y a d'autres qui sont là depuis, ils ne sont pas guéris. Et ça ne fait pas de saint sujet. On ne m'appelle même pas pour dire il y a des gens qui sont restés depuis. Voilà, mais n'a pas dit ça, voilà, mais vous n'avez pas vu les gens pour prier pour vous depuis. Mais comment il dit prier, prie. Puis il y a un bibliothèque, mais on a dit là, dans un bibliothèque. On j'aime même, j'aime pas. À cause de lui, à cause de lui. Beaucoup de choses ont changé. Amen. Oui, du Kamali de Dieu. C'est ce qu'il pense à vous. Nous voulons beaucoup d'infos. Amen. Et Dieu fortifie. La fortifie bien encore. Ne regardez pas l'homme quand venez ici. Ah, car oui, il n'y en a pas de corps. Mais tous les défauts là, j'ai réglé beaucoup de choses. Ma vie du gamin, j'ai réglé beaucoup. Je sais beaucoup de choses. Je sais qui est bizarre. Il y a un moment, il y en a l'air. Mais ça va se régler. Amen. Comme ça, ça serait rapide. Vite. Mais que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Nous pensons à beaucoup de choses l'année prochaine. On va penser à beaucoup de choses. Que le Seigneur vous fortifie. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous, nos travail là, c'est attaquer sorcellerie. Donc, tu vois, mais les sorciers parmi nous. La sorcellerie, c'est pas manger à rêve. C'est pas facile pour nous. Priez pour que Dieu nous donne des gens. Ah, Bibi, c'est d'abord quand ils ont besoin de l'œuvre. Mais on a le nous aider, vous aider. C'est Waka, il m'a beaucoup craint.